Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Sur cette vidéo, c'est tout ça. Bonne clique à s'abonner pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Soyez prêts. Soyez prêts, mes frères et sœurs. Nous allons entrer encore dans une autre dimension. Sur cette vidéo, c'est tout ça. Également, toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons sur PayPal ou voir 5 millions, comme vous l'avez vu. Merci, mes frères et sœurs. Merci pour tout. Merci de regarder nos vidéos. Merci de nous soutenir. Bientôt, nous aurons 8000 abonnés. Et nous aurons également 1 million de vues. 1 million de vues, mes frères et sœurs. Pour cela, nous avons décidé de faire notre live sur Nyans Report et nous vous invitons. Ce live aura lieu, c'est peut demain, soit demain à 22h, c'est possible. Alors, regardez-le aujourd'hui et demain. Voilà. Et regardez bien. Ce que nous allons vous dire ici, là, ça va vous étonner, ça va vraiment vous choquer. Ça va vous sembler d'une grande... Ça va vous étonner même. Mes frères et sœurs. Est-ce que vous savez que le diable, il existe? Est-ce que vous savez également que les agents du diable, ils sont là? Si vous êtes dans un environnement... Où tous ceux qui vous entourent là passent votre temps à vous critiquer ou à vous décourager là, ne les écoutez pas. Même quittez cet endroit là ou fermez vos oreilles. C'est mieux parce que ce sont les agents de Satan qui font ça. Si vous êtes dans un endroit où on vous persécute ou on vous empêche d'évoluer là, foncez. C'est que là devant là, il y a de bonnes choses qui sont là. Et qui arrive. Mes frères et sœurs, il faut que nous vous disions toutes ces choses. Aujourd'hui, un de nos amis qui travaille sur YouTube également a reçu un message qui l'a choqué. Et il nous a fait partager son message. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est? Dans le message qu'il a eu là, il a vu quelqu'un qui lui disait de mauvaises choses, comme tout ce que tu fais de haut en bas, depuis que tu as créé ta chaîne, là, tout ce que tu fais là, c'est connerie, c'est que du mensonge. C'est que du mensonge. C'est ce que la personne lui a dit. Mes frères et sœurs, vous qui regardez cette vidéo, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Mon ami là, il a beaucoup d'abonnés. Hein. Il a beaucoup d'abonnés. Et voici que quelqu'un s'est levé comme ça et il lui a adressé ce message. Comment doit-il réagir? Qu'est-ce qu'on doit lui dire? Qu'est-ce qu'il doit faire? En tout cas, lui, ça l'a choqué. Ça l'a choqué. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour le réveiller un peu? Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour l'encourager, pour le réveiller? C'est un message aussi à tous les youtubeurs. Vous pouvez réagir. Nos collègues youtubeurs là. Vous pouvez réagir, frère. C'est l'heure même de réagir. Dans les parties commentaires là, il y a des gens qui envoient des messages, des vilains messages. Des vilains messages. Des mauvais messages. Par exemple, hier, il y a un frère, un collègue également, qui était en train de nager avec une autre collègue youtubeur, youtubeuse. Il a décidé de faire un live. Dans son live là, il a présenté une de ses camarades. Il n'a pas l'habitude de la présenter. Et voici que des gens sont venus carrément à son live. Hein. Ils regardent les deux et puis disent voici des deux grosses personnes qui se trouvent comme ça là. Ah! Quand la fille a vu ça là, vous savez ce qui a été sa réaction? Elle ne s'est pas laissée abattre, elle ne s'est pas laissée faire. Hein. Elle a pris la parole, elle dit qui tu appelles Ross ici, tu as dit Ross tout de suite, tu vas voir. Et elle regarde, elle dit je vous vois, vous qui lancez des commentaires bizarres là, je vous vois ici, mes frères et soeurs, ça veut dire, quand vous avez de tels messages là, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas abattre. Ah, mon vrai message, elle dit que tout ce que je fais c'est nul, donc toi aussi tu es là, oh je suis nul, non, toi aussi, lève-toi et marche, tu penses que tout le monde va t'aimer? Il y a même des sorciers qui sont là.
qui voient ce que tu fais. Ils aiment ce que tu fais, hein. Ils savent que ce que tu fais là, c'est bon, mais ils te diront que ce n'est pas bon. Mon frère, ma soeur, sois sérieux. Celui qui t'envoie le message pour te dire que c'est nul, ou tu fais ce que tu fais là, c'est des mensonges. Lui, il veut dire que tous tes abonnés qui te suivent, eux ne sont pas sincères, quoi. Ils ne te suivent pas, ils ne se sont pas abonnés parce que tu es quelqu'un qui réfléchit. Ou bien ce que tu dis là, c'est la vérité. Ou bien ils suivent quelqu'un qui est un menteur. Mais bon, ok, si ils suivent quelqu'un qui est un menteur, c'est pas mauvais aussi. Au moins, tu es suivi. Au moins, il y a des gens qui te trouvent bien, même si certains pensent que tu es mauvais. Ou bien, ceux qui me suivent, ceux qui pensent que je suis bien, ceux qui pensent que ce que je fais là, c'est bon, là. J'avance avec eux. Ou bien, j'avance avec ceux qui veulent avancer avec moi. Je ne veux pas avancer avec ceux qui ne veulent pas avancer avec moi. Qui cherchent même à m'enfoncer par de mauvaises pulsions, de mauvais messages. Ces choses ne peuvent pas permettre à quelqu'un de grandir. Si tu veux t'attarder sur ces choses, regarder, ah, me fait ça, me fait ceci, tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas grandir. Si tu veux rester là, ah, on me fait comme ça, on me fait ceci, on me dit ça, tu ne vas pas grandir. Hein? Il faut les oublier. Avance avec les pulsions, les messages qui vont t'aider à grandir. Et à, ne lui mets pas les mauvais messages, les messages d'insultes. Ne lui mets pas les commentaires comme ça. Évolue avec ceux qui veulent te faire évoluer. C'est tout. C'est un conseil simple pour tous nos abonnés, pour tous ceux qui travaillent, même nos collègues youtubeurs. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas aimer par tout le monde. Même Jésus-Christ, là, il n'a pas été aimé par tout le monde. On dit que c'est un menteur aussi. Donc, avancez avec ceux qui vont vous permettre d'avancer. Et foulez tout simplement avec ceux qui vont vous permettre de grandir. Et nourrissez-vous des bonnes pulsions et des bons messages qu'on vous envoie tous les jours. Que tu te bénisses. Continue ton travail. Même nous-mêmes. Nous avons reçu un grand don. Ah! Je pensais même pas que j'allais recevoir un don. Franchement, c'est un don tellement grand. Et quand j'ai vu le don de cette personne, j'ai dit, mais waouh, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des dons comme lui. Ils ne savent pas comment faire des dons. Donc j'ai dit, ok, puisque c'est comme ça là, nous allons faire maintenant des vidéos où nous allons dire à l'introduction, voici comment faire des dons pour ceux qui veulent faire des dons. On ne force pas quelqu'un à faire des dons. Quand on dit si tu veux faire des dons là, ça ne veut pas dire qu'on t'oblige. Ou bien, est-ce qu'on a obligé la première personne à faire des dons? Jamais. C'est cette personne-là d'elle-même qui a fait ce don. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça, ça se passe. Et c'est pourquoi, en dessous de cette vidéo, nous avons mis toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. C'est un don. Si nous vous disons combien de fois il y a des gens qui veulent soutenir Nyan Sribon, vous serez étonné. Si nous vous disons combien de fois il y a des gens qui aiment donner, qui veulent même les chercher à donner. Maintenant, il y a de mauvaises personnes qui viennent pour dire non, vous allez donner là, ça peut quoi. Les gens qui veulent donner, quand tu veux les empêcher de donner, eux, ils aiment donner parce que quand ils donnent, ils reçoivent. Ils savent ce qui se trouve dans le donner. Et ils veulent donner. Ce n'est pas seulement l'argent. Et veut donner des messages d'encouragement. Les gens pour dire, mon frère, ce que tu fais, c'est bien, continue. Et ils aiment ça, ils veulent donner. C'est une manière pour eux de soutenir leur prochain, d'aimer leur prochain. Et il y a mes frères, ceux qui font ça là, ceux qui sont de telle mentalité, et qui donnent, donner. Si vous voulez donner, donnez moi-même qui vous parle là. J'aime donner aussi. J'aime donner, je donne beaucoup. C'est pourquoi les gens aussi me donnent souvent. C'est normal, celui qui donne, il reçoit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et nous vous disons à bientôt, Seigneur Sribon, la prochaine vidéo. Si vous voulez faire des dons, toutes les informations se trouvent en dessous de cette vidéo pour vous, rien que pour vous. Et si vous voulez vous abonner, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, laissez un like pour nous dire combien de fois vous avez été touché. Et ne vous laissez pas intimider dans la vie par les gens qui vont venir vous dire que vous n'êtes pas bien, vous êtes mauvais, vous essayez de vous démoraliser. Foncez dans la vie, Dieu est avec vous. Let's go. Que Dieu vous bénisse et que vous gagne. A bientôt sur Nyan Sribon. Nous vous signalons qu'il y a Nyan Sribon 2. Vous pouvez également vous abonner là-bas. Et c'est parti. Que Dieu vous garde et que vous bénisse.